بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد إن في ذلك لآيات إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية وبين يدي الساعة موتان شديد وبعده سنوات الزلازل أو كما قال عليه الصلاة والسلام ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة ألف 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 مرة جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما وأهله رب ارحمهما كما ربياني صغيرا Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le tout miséricordieux, celui qui nous a permis de venir dans la masjid, celui qui nous a permis de pouvoir se déplacer avec afia, avec bien-être, sécurité. Et tout cela n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes ces faveurs n'appartiennent qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de pouvoir se mouvoir, de respirer et d'être en sécurité, tout cela constitue un très très grand bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que les savants de l'islam disent qu'un croyant, qu'une croyante ne peut jamais connaître la dépression. Un croyant, une croyante ne peut jamais connaître la dépression parce que les faveurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a données sont immenses. Le fait de pouvoir regarder, le fait de pouvoir toucher, le fait de pouvoir sentir, de respirer et de pouvoir marcher, Allahu Akbar, et le plus grand bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, c'est Iman. Allahu Akbar. Chers frères en islam, nous savons tous que Jum'a, c'est le meilleur jour de la semaine. Meilleur jour auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que le jour de Eid. Le jour de Eid que nous célébrons, Jum'a est meilleur que ça. Le jour du sacrifice, Eid al-Adha, Jum'a est meilleur que ça. Allah subhanahu wa ta'ala nous a gratifié d'un jour exceptionnel. C'est pour cela, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le jour du vendredi compte parmi vos meilleurs jours. Et c'est un jour où le croyant, il s'organise pour pouvoir venir tôt à la masjid et s'asseoir dans la première rangée. Lorsqu'on sait que la première rangée, c'est une place qui est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, une place, il y a encore des places, Inch'Allah, on essaie de combler. Wallah, une occasion pareille, les sahaba, radiallahu anhum, ils se battaient pour être au premier saf. Une occasion pareille qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée, il ne faut pas manquer. Donc il y a encore des places, Inch'Allah, on essaie de combler ces places pour obtenir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala une énorme récompense. Inch'Allah ta'ala, Inch'Allah ta'ala. Et ça c'est, tout cela n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans un hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que celui qui le jour de vendredi, à n'importe quel moment, il lit 80 fois la formule de prière et de salutation qui est citée dans les hadiths, Allah subhanahu wa ta'ala pardonnera 80 années de ses péchés. Allahumma salli ala Muhammad, abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummiyi. 80 fois. À partir de jeudi soir jusqu'à vendredi avant la salat de Maghrib, Inch'Allah ta'ala, 80 années de ses péchés seront pardonnées. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que celui qui après la salat de Jum'a, on a jusqu'à avant Maghrib, celui qui lit 100 fois Subhanallah al-Azim wa bihamdi, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne 100 000 de ses péchés et 24 000 de des péchés de ses parents sont pardonnés. Donc tout cela n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. À nous de saisir ces occasions qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous donne chaque semaine,
chaque Jum'a, c'est un bienfait énorme de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vraiment, c'est une fois que nous allons fermer les yeux que nous allons comprendre la valeur de ces petites actions entre guillemets, mais d'une récompense exceptionnelle de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la spécificité de la umma de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Très peu d'efforts, petites actions, mais énorme récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, de prendre un bain, de faire le miswak, et d'envoyer, en dehors de ces 80 fois, la formule qu'on vient de voir, en dehors de cela, sallallahu alayhi wa sallam, la plus petite formule de salutation qu'on peut envoyer en abondance le jour de Jum'a, à partir de jeudi soir. Faire le miswak, prendre un bain, se rendre tôt à la masjid, s'asseoir à la première rangée, etc. Tout cela fait partie des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a donnés. Et parmi, Allahu Akbar, nous savons tous que chaque chose a une fin. Lorsqu'il y a un début, il y a forcément une fin. Lorsqu'il y a un début, il y a forcément une fin. C'est pour cela que les savants disent, il ne faut pas beaucoup pour mourir. Il ne faut pas beaucoup pour mourir. Il suffit d'être né. Il ne suffit pas beaucoup pour mourir, il suffit d'être né. Lorsqu'il y a un début, il y a forcément une fin. Et ce monde aussi, il a eu un début, et ce monde aussi connaîtra une fin. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à travers les ahadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné des signes avant-coureurs, des signes de la fin des temps. Il y a les petits signes, dans les petits signes, il y a trois catégories de petits signes. Ensuite, il y a les signes intermédiaires. Et ensuite, il y a les signes majeurs. Les signes majeurs, nous savons tous l'apparition de Dajjal, l'Antéchrist, la descente de Hazrat Isa alayhi salatu wassalam, l'apparition de Gog et Magog, etc., etc., etc. Mais parmi les petits signes, ont toujours existé, mais parmi les petits signes de la fin des temps qui ne cesseront de se multiplier, de se succéder jusqu'à s'intensifier, parmi ces petits signes-là, il y a les tremblements de terre. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, en ce sens cité par Imam al-Bukhari rahimahullah et bien d'autres hadiths, bien d'autres sources, où l'heure ne viendra pas jusqu'à ce que les tremblements de terre se multiplient. Alors, écoutons bien. Il y a eu toujours des tremblements de terre. Mais il y a un point, il faut bien comprendre, très subtil, ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, « Wa ba'dahu sanawatu zalazil » Il y aura des années de tremblements de terre, c'est-à-dire une multiplication des tremblements de terre. Il y a eu toujours des tremblements de terre. Mais lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il y aura une multiplication des tremblements de terre, Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, il explique que cela veut dire, il y a deux choses. Cette multiplication signifie la généralisation des tremblements de terre dans l'espace. Ce n'est pas seulement un seul lieu, mais c'est dans l'espace, tel endroit. C'est pas fixe. Ça touche le monde. C'est ce qu'on appelle la généralisation dans l'espace. Et la permanence dans le temps. Cela veut dire que il y a un très court laps de temps que lorsqu'un tremblement de terre se produit, aussitôt, il y a un autre tremblement de terre qui se produit dans un autre endroit. Si on va sur Google, on tape, Allahu Akbar, c'est incroyable, on était en train de lire le hadith et le commenter en même temps. Donc, sur l'ordinateur, vous tapez Google et vous tapez tremblement de terre actuel. Et vous allez voir, subhanallah, en même temps, d'une façon simultanée, Lorsqu'il y a eu la Turquie. Pourquoi on a mentionné la Turquie? Parce que sur l'échelle de 7,8, donc c'est quand même une grande échelle. Mais Chili en même temps, Australie en même temps, subhanallah, Philippines en même temps. Donc voilà,
C'est-à-dire que tu vois la matérialisation de hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui n'a jamais menti. Na'ouz billah. Donc lorsque Rasulullah sallallahu dit qu'il y a une multiplication des tremblements de terre, cela veut dire d'une façon générale dans le temps et dans l'espace, ça se propage. Et ça va jusqu'à s'intensifier. C'est parmi les catégories des petits signes, ce signe-là, parmi les autres signes, ils vont se succéder, se multiplier, jusqu'à s'intensifier. Et c'est ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit. Et c'est pour cela, Ibn Hibban, rahimahullah, il a mis un chapitre dans son livre de hadith, où il dit, voici les hadiths qui nous parlent justement de l'abondance, kathratu zalazil, de l'abondance des tremblements de terre, des catastrophes naturelles qui vont arriver avant la fin de temps. Alors la question elle est la suivante. Pourquoi les tremblements de terre? Il y a des réponses dans le Coran et dans les hadiths de Rasulullah. Une chose, avant de développer cela, une chose. Il faut faire très très attention à nos opinions et à nos avis et à nos remarques concernant une catastrophe naturelle ici ou ailleurs. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est le maître. On n'a pas à douter et à se plaindre de se dire pourquoi ce pays-là et pourquoi pas un autre pays qui commet autant d'injustices. Allahu Akbar. On n'a pas le droit de se questionner et de questionner sur ce sujet-là. C'est ça, n'appartient qu'à Allah. On ne maîtrise rien. Et c'est pour cela, les ulama disent que un des sagesses qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers les tremblements de terre, il nous rappelle qu'on est faible, qu'on doit retourner vers l'humilité. L'humilité. Allah subhanahu wa ta'ala, en une fraction de seconde, Allah n'a pas besoin de nous. Au contraire, c'est nous qui avons besoin d'Allah. C'est nous qui avons besoin d'Allah. La puissance d'Allah s'exprime. Et il nous rappelle que n'oublie pas que je suis là. Que ton argent, ta science, ta notoriété, ton prestige, ta valeur n'est rien. On n'est rien. Notre poids social, notre poids économique, on n'est rien. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en une fraction de seconde, on n'en parle plus. Tu étais quelqu'un, tu es devenu, tu es personne maintenant. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fait réfléchir que c'est lui qui contrôle tout. Il contrôle tout. Pharaon, Qarun, tout ces tyrans, Allah subhanahu wa ta'ala leur a montré à travers les signes. Et ça, c'est le premier point. Inna fis samawati wal ard, la ayat, dans les cieux et la terre, il y a des signes pour les croyants. Pour les croyants. Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à réfléchir sur notre condition. Oh Allah. Et, oh Allah, nous sommes ingrats, mais tu nous as toujours laissés en vie. Tu nous as toujours donné la sécurité. Tu nous as donné toujours les moyens de pouvoir vivre, la subsistance. Comment pouvons-nous désobéir à Allah? Comment pouvons-nous désobéir à Allah? Première chose, Allah ce matin-là nous rappelle l'humilité. Deuxième chose, وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. En outre, nous n'envoyons des signes qu'à titre de menace. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'à titre de menace, c'est-à-dire, oh, un tel, reviens, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait comprendre qu'on n'est pas sur la bonne voie. Nos actions ne nous amènent pas vers un chemin
qui appelle la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qatada rahimahullah, il fait le commentaire de ce verset, il dit: Allah ta'ala suscite la peur des gens par les signes qu'il choisit, en espérant qu'il en tire des leçons, qu'ils s'en rappellent et retournent vers lui. Tout le monde, Allahu Akbar, personne n'est parfait. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné iman. Lorsqu'on fait une erreur, lorsqu'on fait un péché, tout de suite on se tourne vers Allah. On demande pardon, oh Allah, pardonne-moi. Avant qu'il ne soit trop tard. Un cheikh, il disait, subhanallah, nasma'u bil zaz. Je le dis en arabe parce que c'est beau ce qu'il dit. Nasma'u, c'est-à-dire, il nous appelle à une certaine réflexion. Nasma'u bil zalazil wal kawarith wa nakhaf. Nous entendons parler des tremblements de terre, des catastrophes. Nakhaf, nous avons peur. Fahal hadha al khawf yahjizuna min maharim Allah ta'ala. Mais est-ce que cette peur nous empêche de commettre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit? Chacun sait sa propre situation. Est-ce que cette peur nous empêche de commettre ce qui est interdit par Allah subhanahu wa ta'ala? Fal khawful mahmoud huwa alladhi yahjizuka min maharim Allah ta'ala. La peur louable, la peur qui est digne d'appeler une peur, c'est cette peur qui t'empêche, c'est celle qui t'empêche de commettre les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous rappelle à Londres. Et n'oublie pas. N'oublie pas qu'il y a le jour de la résurrection. N'oublie pas que tu auras des comptes à rendre. Là-bas, les situations sont pires que les situations de ce monde. Parce que ici, tu peux te racheter, là-bas, non. Là-bas, on ne peut pas se racheter, c'est fini. C'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Inna rabbakum yasta'tibukum fa'atibuhu » Cheikh Mohamed Awama, hafidhahullah, il fait le commentaire de ce hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit: يطلب منكم سلوك الخير والصلاح والتوبة ليرضي عنكم فسلكوا ذلك. Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ces événements, il vous appelle vers la réforme, vers le tawbah. Demandons pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Notre salat, notre zakat, toutes nos actions dans tous les domaines, notre salat en congrégation, nos relations avec autrui, nos façons de commercer, etc., etc., les maladies spirituelles, s'en débarrasser. Tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous appelle. Et ça, c'est un échantillon de ce qui va se passer le jour de la résurrection. Vraiment, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne vraiment la compréhension de ce qu'on vient de dire, et que personne, wallah, personne n'est parfait. C'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضا ويحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر له ثم قرأ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. رسول الله صلى الله عليه وسلم dit que lorsqu'une personne commet un péché, tout de suite il y a toujours une porte de sortie. Il n'y a jamais le désespoir, quelle que soit l'énormité du péché. Mais quelqu'un qui se tourne vers Allah, oh Allah, pardonne-moi. Allah, ce matin-là, il efface tout. Les hommes pieux sont devenus des hommes pieux lorsqu'ils ont regardé derrière eux leur passé. Comment ils ont pris la ferme décision de demander et d'arrêter les... Allah, ce matin-là, fait devenir des amis d'Allah. Chaque personne a une capacité, a une potentialité de devenir un ami d'Allah. Mais c'est à nous de faire le bon choix. Lorsqu'on s'est dit, il fait correctement le wudu, il fait deux rakats, il demande pas, oh Allah, pardonne-moi. Allah, subhanahu wa ta'ala, le pardonne. Et c'est là où, lorsqu'on s'est dit, il est le verset, que celui qui commet un péché grave, ou il a commis une injustice envers soi-même, il pense à Allah, il pense qu'il aura des comptes à rendre auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il cherche son pardon. Et il demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, le pardon. Allah, subhanahu wa ta'ala, le pardonne. Et il n'insiste pas dans son péché. Allah, subhanahu wa ta'ala, le pardonne. Donc Allah, subhanahu wa ta'ala, vraiment, il nous donne tous la compréhension de faire dua, pour nos sœurs, pour nos frères, de faire droit, d'être solidaire, quel que soit le don qu'on puisse donner à travers nos doigts, à travers
Mais nous-mêmes, le don qu'on fait, le don qu'on peut se faire à soi-même en premier, le don vraiment qu'on peut se faire à soi-même en premier, c'est de changer sa vie. C'est ça le don. Le don de soi envers soi-même, le don envers les autres, aider financièrement, doa, etc. Il y a un cher qui, subhanallah, regardez, Allahu Akbar, on ne sait pas dans quelle situation va quitter ce monde. Un cher, subhanallah, en Turquie, dans un de ces endroits-là, subhanallah, il s'est réveillé pour la salat de tahajjud. Il a fait son tahajjud, il s'est assis, et il a commencé à faire son wird. C'est-à-dire son tasbih. Il a commencé à faire son tasbih, et le tremblement a eu lieu. Et il est décédé dans cette situation. Subhanallah, le jour de la résurrection, il sera ressuscité dans cette situation. Après avoir accompli la salat de tahajjud, en train de faire son tasbih devant Allah. Mais quel honneur! Quel honneur! Wallah, quel honneur! Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les situations, Allah il nous garde avec iman et nous fasse quitter dans une situation où il est content. Wallah subhanahu wa ta'ala, il est content. فجزاكم الله خيرا احسن الجزاء في الدارين